Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un gratin au poulet aux légumes. Azul filakhon tasagini pour raconter le gratin sur le khodra que vous yazir. Mais il y a un peu de yazir, il a déjà un spoon fit, un rôti. Il y a un peu de frigidaire, les légumes, il y a un peu de frigidaire. خدمت لي ليغوم يكون تيهوان ماشي فورسيمون انا كنخدم غنكيني يتسد فنين ايكونوميك فوالا pour moi j'ai le reste de poulet rôti qui était déjà cuit et avec les légumes que j'ai dans le frigidaire voilà j'ai le blanc de poulet des pommes de terre coupées en petits dés, les courgettes, poivrons jaunes, poivrons rouges et un oignon. Voilà, après vous utilisez les légumes que vous avez. Voilà, moi j'ai ça dans mon frigo. En plus ce plat il est économique. Voilà, j'ai mis 2 à 3 cuillères d'huile d'olive. En premier, je mets les oignons. Le plat est gaitis de venine et il est simple pour frigidaire. Mais tu sais les légumes qui sont marinés. Voilà, on le laisse quelques minutes. On mélange. On rajoute les poivrons. Moi, il me reste la moitié de poivrons jaunes, moitié poivrons. Rouge, pardon. Je rajoute les pommes de terre et on mélange. Voilà, quelques minutes après, je rajoute les courgettes. Et on mélange. Moi j'ai un mélange de sel et de poivre noir. Et après les épices, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, j'ai mis du sel et du poivre. C'est un mélange de sel et du poivre. Voilà, le reste de mon poulet rôti qui était déjà cuit, je le coupe en petits morceaux. Je vais le rajouter à la fin, comme le poulet il est déjà cuit. Là j'ai 4 œufs, crème fraîche, gruyère, persil et un saladier. Vous voyez, les légumes sont cuits. Je casse les œufs dans le saladier, je rajoute la crème fraîche. Voilà, je rajoute la deuxième. Crème fraîche, crème liquide. Voilà, je rajoute un peu de gruyère. Si vous aimez pas, vous mettez pas. Hein.
un peu de persil. Voilà un mélange de poivre et du sel. Voilà, les légumes, ils sont cuits. Et là, à la fin, je rajoute le blanc de poulet. Là, vous le mettez à la fin, comme le poulet il était déjà cuit, pardon. Et on mélange. Là, on va mélanger les œufs, le gruyère, crème fraîche, persil. Voilà. Il faut bien mélanger le tout. Et on verse nos légumes. On avait déjà allumé le four à 200 degrés. Et on mélange la crème, les œufs avec les légumes. Voilà. Il faut bien mélanger. Et là, moi, j'ai pris les plats individuels, voilà, pour une personne. Et après, vous pouvez prendre un grand plateau. Voilà, on verse dans les plateaux. Voilà, dans les moules à gratin. Voilà, très bien. Voilà, il y a tout dedans, équilibré, des légumes, du poulet, les œufs, la crème. Voilà, et là, je rajoute de la mozzarella. Voilà. Et on met au four... entre 15 et 20 minutes, pas plus, parce que les légumes ils sont cuits, le poulet était déjà cuit. Voilà, et on met au four. Voilà les résultats finaux. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. مادن كيني أكنتي دينيغا قمم ثأذي لهنا ألا فيديو نظن ما يبغى ربي بقى على خير.